Mon Noël idéal est un Noël où je n'ai aucune bouffée d'angoisse à son approche, aucun stress, aucune fatigue extrême, un Noël où mon corps ne me hurle pas de fuir. Mon Noël idéal est un Noël où je n'ai pas de nausée à l'idée de tout ce qui s'annonce, où il n'y a pas trop à manger et où ce n'est pas la course à l'achat du plus grand, du plus beau, du plus cher. Mon Noël idéal est un Noël où personne n'exige notre présence à telle date à tout prix. Un Noël où la date ne prime pas sur le moment passé ensemble. Un Noël où on n'est pas obligé de s'écarteler pour faire plaisir à tout le monde, ou du moins pour éviter que certains nous fassent la gueule. Mon Noël idéal est un Noël où les lumières sont là pour nous émerveiller et non pour nous pousser à entrer et à acheter. Juste à avoir les yeux qui brillent pendant plusieurs jours. Mon Noël idéal est un Noël paisible, loin d'ici, loin des bruits de la société de consommation, loin de l'agitation et de la frénésie stressante et contagieuse des villes qui se préparent à fêter Noël. Je rêve d'un Noël où la majorité des décorations sont fabriquées à la main pour un Noël unique, à recommencer chaque année, à revivre de mille et une façons, avec toujours au cœur les moments de créativité et de complicité. Je rêve d'un Noël où le plus important ce sont les gens. Je rêve d'un Noël où un petit cadeau entre directement dans le cœur, où la reconnaissance est dans tous les regards, la joie sur toutes les lèvres et l'amour dans tous les gestes. Noël, c'est la réconciliation, la paix, la guérison. Noël, c'est la victoire de la vie, sur les broutilles du quotidien, sur les rancœurs qui salissent nos souvenirs, sur les embrouilles qui nous gâchent notre présent. Noël, c'est le triomphe de la vie sur toutes les mauvaises nouvelles, les épreuves, les maladies, les guerres, les terribles événements ici et ailleurs. Noël, c'est l'espoir que je peux être meilleur, que je peux faire mieux, que je peux apporter plus au monde, parce que je ne suis pas seule. C'est notre premier Noël en caravane et pour être honnête, j'aurais aimé le fêter loin, avec presque rien, et partager cet espoir, cette paix, cette réconciliation, cette vie avec des âmes réceptives en toute simplicité, comme nous le vivons depuis déjà 4 mois. J'ai l'impression que chaque année, Noël m'échappe davantage, ou peut-être que c'est moi qui échappe à ce que Noël est devenu. C'est notre premier Noël en caravane et nous ne le fêterons pas en caravane. Nous avons choisi de mettre de côté nos envies d'ailleurs pour mettre nos familles à l'honneur. Parce que Noël, c'est aussi ça, honorer ceux pour qui cette fête est le moyen de réunir ceux qu'ils aiment. Et comme nous aimons nos familles, Noël 2017 restera classique. L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Et dans les nôtres, il y a beaucoup d'amour pour nos familles que nous nous préparons à quitter dans les prochaines semaines. Nous fêterons notre Noël idéal un jour, peut-être, ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que peu importe l'endroit et le moment, on se souvienne de ce qu'est vraiment Noël. Nous vous souhaitons un très sincère, joyeux Noël. J'ai envie d'habiter juste là devant le portail, pour voir toutes les dégâts. Ce studio, on est juste à côté. À partir d'un moment, faudra bien que tu ailles manger et dormir, non? Tu vas pas dormir dehors quand même. Le petit bonhomme de neige.